Tu es ancien joueur que le fond encore, Léo. Mais ils sont là pour faire quoi? Bah, ils sont là comme des anciens joueurs, mais c'est des gens qui n'aiment pas parler. Donc, pourquoi par exemple, Alex, ça va être compliqué, mais à moi, là, tu t'es là, prendre parole, là, pour que Niet, Amé, Maintenant, vous avez les joueurs qui ne parlent pas. Vous ramenez des anciens joueurs aussi qui ne parlent pas. Nous, on ne veut même pas être là-bas. Mais allez trouver des joueurs qui parlent. Vous amenez un Kouba Kader, un fils de ce pays, quelqu'un qui a défendu les couleurs de la nation, en tant qu'entraîneur adjoint. Quand le match va débuter, il va en tribune. C'est un Burkinabé qui reste sur le banc. Mais vous êtes sérieux? J'arrive pas à comprendre ça. Mais vous êtes sérieux dans ce pays? Entraîneur à jeu légalement nominé ou nommé à chaque match, elle a notre tribune dit le voilà préféré, le coin est maillé, mais Burkinabé, son cadet. Le Burkinabé a une fois fait quoi dans le football? Il a gagné quoi avec quel pays? En étant entraîneur, il a gagné quoi? Joueur, il a gagné quoi? Dites-moi. Vous avez Olu Fadé qui a des diplômes, Wadja Latam qui a des diplômes, Abalo Dessé qui a des diplômes, Jimon Yaoule qui a des diplômes. Vous avez laissé tous ces gars-là. Maintenant, Kader, lui aussi, il est venu. Je ne sais pas à quoi lui aussi il sert. Il est là comme il n'est pas là. Il ne sert absolument rien. C'est moi qui lui viens, il appelle sur les réseaux sociaux ou dans une interview un garçon. Mais il est malade. Eh oui, Togo, non, Togo football. Dis-moi. Ma bien question là. Vas-y. Bien question. Je t'écoute. Honnêtement, pourquoi tu n'as pas été au stade hier? Allô? Allô? Écoute, c'est vrai que j'avais dit depuis quelques jours que je n'allais, que j'irai pas au terrain, que je n'irai pas au stade. Ça, c'est une certitude. J'étais sûr et certain que j'allais pas au stade. Donc, j'étais à la maison. Vers 11h midi, il y a mon gardien qui m'appelle, le talkie-walkie, qui me dit qu'il y a quelqu'un qui a ramené des enveloppes. J'ai tout de suite senti que c'est de la part de la fédération parce que le Togo a match. Je dis OK. Je prends l'enveloppe, je ouvre l'enveloppe. Écoute, c'est deux VIP. Je sais, moi, je connais pas le prix des stades. Mais sur un ticket, ils m'ont envoyé deux VIP. Sur un ticket, c'est marqué 30 000 VIP. Sur l'autre ticket, c'est marqué 20 000. Mais à quel moment, moi, je peux aller au stade avec quelqu'un, la personne va être à l'opposé. De où là de là où moi je me trouve. Ça a quel rapport? Maintenant, j'ai appelé le président de la fédération ce matin pour en savoir la raison pour laquelle il m'a envoyé deux tickets et deux emplacements différents. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit parce qu'il y a plein d'autorités qui ont demandé des tickets. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Et après, il me rappelle, il me dit que dans l'enveloppe, il y a deux tickets VIP et cinq tickets, je sais pas quoi. Je dis, mais moi, j'ai des militaires qui ne mentent pas. Donc, allez fouiller dans. Je ne sais pas à qui vous avez remis les tickets pour me ramener à la maison. Tantôt, vous m'avez dit que il y a des autorités qui ont demandé des tickets. Voilà pourquoi vous m'avez envoyé tickets de 20 000 et 30 000. Et je lui ai dit, mais mon président. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ouais, mais toi, tu ne viens jamais au stade avec ta fille ou ta femme. Je lui ai dit, mais la dernière fois, j'étais au stade avec ma fille. Il m'a dit, oui, mais moi, je ne savais pas que c'était ta fille. C'est les gens qui m'ont dit, c'est ta fille. Je fais, mais dans quel moment c'est une obligation pour moi, chérie, et mon adorable, de venir au stade avec ma fille ou ma femme? En quoi? Ça a quoi à voir? C'est ça a quoi? Il est où le rapport? Il me dit, oui, mais je dis, dans ce cas, ne m'invitez pas au stade. Est-ce que moi, je vous ai dit de m'inviter? Est-ce que vous êtes au courant que moi-même, vous m'avez envoyé un ticket de 50 000. Est-ce que vous étiez au courant que moi-même, j'ai acheté un ticket pour 500 000? Il me dit oui. Donc je dis, donc dans ce cas-là, vos tickets de 30 000, moi-même, je peux l'acheter?
Comment je peux aller au stade avec ma fille? J'envoie ma fille où il y a 30 000, moi-même je me mets à 20 000. Ou j'envoie ma fille où il y a 20 000, moi-même je me mets à 30 000. C'est ça. Ma fille a 14 ans. Il est où le... Mais comment je peux gérer ça? Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Alors que moi-même, dites-moi maintenant, on va aller pas à pas. Ni même les jaloux, là, et moi, que je n'aime pas le Togo, je ne veux pas le bien du Togo. Il n'y a pas de problème, peut-être c'est vrai, peut-être c'est des conneries, mais on s'en fout. Maintenant, on va se dire la vérité. Dites-moi, à quel moment Kader a une fois soutenu une équipe nationale du Togo? Je vous écoute. Je vous écoute. Dites-moi, à quel moment Serge Akakpo, il est venu en sélection, il a dépensé un franc pour que le Togo gagne. Je vous écoute. Je vous écoute. Mais arrêtez de dire des conneries sur les réseaux sociaux. Arrêtez de parler de ce que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Arrêtez de se mêler de tout et de rien. Fermez vos bouches et restez dans vos coins. Là, on parle de football. On ne parle pas de diplôme, on ne parle pas de l'école, on parle de terrain de foot. Tu connais mieux que moi. Dans ce pays, qui connaît mieux le football que moi? Dites-moi. Maintenant, vous voulez que... Maintenant, le humble là, je ne veux plus être humble avec vous. Dites-moi, qui connaît mieux le football que moi? Qui a joué mieux le football que moi? Qui a pratiqué un football meilleur que moi? Je veux commencer, par citer les noms. Si vous trouvez que quelqu'un est plus fort que moi, ou il a fait une carrière mieux que moi, je vous écoute. Amou Komla, Olufade Adekambi, Koubadja Kader, Djima Oyawole, Salou Bachirou, Asino Komla, Wadja Lantam, Takbara Ratei, Père à son âme, Salou Tadjou, Père à son âme, Changai Mazama Esso, Nibombe Wake, Nibombe Dare, Senaya Yao, Senaya Junior. Maintenant, je vous écoute. Dites-moi qui est plus fort que moi. Dis-moi qui est meilleur que moi. Dis-moi qui a fait une carrière mieux que moi. Ah, on t'en souhaite une opinion, ouais. Non, c'est nous, on est d'accord. Je te l'accorde. Moi, je dois que 500, je dois que 200. Mais dites-moi, les faits sont là, les résultats sont là, sur le terrain. C'est pas venu sur les réseaux sociaux parler. C'est pas faire des interviews qui ne servent à rien. Dites-moi un jour, si un joueur togolais a dit que si les joueurs là, jusqu'à même quand les jeunes joueurs, l'équipe nationale cadette, quand ils jouaient, je suis parti, je les ai ramenés des cartons de chaussures de foot. Dites-moi, les cadets qui ont joué à l'OM, la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont fait la Coupe du Monde. C'est moi, ils ont tous joué avec mes chaussures de foot. Quand j'ai su que mes jeunes frères ont match et c'est une Coupe d'Afrique des Nations, j'ai appelé la France, j'ai appelé billet d'avion, j'ai acheté billet d'avion. Les joueurs là, quelqu'un est parti de la France avec les sacs. Il est venu avec au moins 10 sacs. J'ai payé sac. On va laisser côté, on a joué, on a marqué. Maintenant, on va parler de côté soutenir la jeunesse, côté faire quelque chose pour le football. Qu'est-ce que Kader a fait pour le football togolais? À part marquer des buts. Soit disant, entre guillemets, c'est qu'un cadre. Il a fait quoi d'autre? Il a compris quel centre de formation? Il a compris quelle jeunesse? Quand vous me dites à moi, dans le conseil centre de formation, vous avez dit que Kader, c'est une légende, non? Pourquoi vous ne le dites pas à lui dans le conseil centre de formation? Vous avez dit que c'est Akakpo, la force tranquille, il avance avec quel pays? Vous avancez où? Quelqu'un que moi, quand j'étais capitaine, je grondais matin, midi, soir pour que les choses avancent. Aujourd'hui, vous dites que oui, il est là, ça avance. Ça avance quoi? Depuis qu'il a pris le pouvoir, vous êtes qualifié pour la CAN? Moi, dans mes gli, t'as beaucoup de temps, et dans mes pocan.
Quand c'est chaud, quand c'est chaud, quand c'est tendu, je revenais, je qualifiais le pays pour la CAN. C'est là où, c'est ça qu'on appelle un homme qui assume pleinement ses responsabilités. Oh. Ah. C'est oui. Pas là, parler sur le... Oui, non, là. C'est pas parler gros français, le football. Pipa, pipa, que va y la ça il a son petit salaire, il est content. Ah non, je suis désolé. Ah, désolé, Mathieu. Je suis désolé. Il y a une macona que lui ne regarde plus le football togolais. Tu ne regardes plus le football togolais, tu viens être entraîné des locaux. Franchement. Oh, n'attends. Samuel Eto'o qui est le meilleur joueur du continent, de l'histoire. Il est là, mon général. Samuel Eto'o dit, tiens, si Samuel Eto'o veut parler de moi, il dit, mon général. Drogba, moi, ça m'a appelé petit frère. Il m'appelle, oh, Adebolo. Maintenant, toi avec qui j'ai joué, c'est toi qui viens m'appeler ce garçon. Tu ne connais plus mon nom. Maman Nangaï. D'abolition la keto. Ezaba kitoko, ezaba danger. Chia. N'a plus que mina goulé, plus que mina goulé moulé avec le mignon. Maintenant, on va revenir sur le cas à Kakbo. J'entends, oui, tu es jaloux, tu es ceci. Jaloux de quoi? Il a quoi? Et Koko Oumia. Allô, bolbe pour où? Sélection, elle a fait quoi en sélection? Donnez-moi un match de référence de Serge Akakou. Un match de référence. Abrel et Bonsan Bobé, Kader, les gens qui ont fait depuis tout le plus souvent, Obé Kader a marqué la Coupe du Monde. J'étais sur le terrain avec lui quand il a marqué. J'ai marqué en quart de finale de la Champions League. Est-ce qu'il n'a pas joué la Champions League? Est-ce que Kader connaît ce qu'on appelle la Champions League? Est-ce que Kader connaît ce qu'on appelle l'Europa League? Et comme demain. Yo, Mingbano compare l'incomparable. Mingbano compare l'incomparable. Et comme yo. Ben, il a marqué en Coupe du Monde. Moi, quel a marqué en Coupe du Monde? J'étais où? Et quel a marqué? On a fait quoi avec ça? Avec ce but-là? Tu me dis, tu gagné en Coupe du Monde de Mingbano? Kibeda gagne la Coupe du Monde. C'est dans l'histoire que le Togo a gagné la Coupe du Monde une fois, en 2006, sur le but en finale contre Corée. On a gagné 1-0. Même le match, il a marqué, on a perdu. Vous êtes là, crié, kakakakaka, il a marqué. Et alors? Si nous, on voulait jouer perso, si nous, on voulait prendre le ballon frappé dans tous les sens, vous croyez que les joueurs allaient marquer en sélection? Regardez, le meilleur buteur togolais de tous les temps, c'est Cheikh Emmanuel Adebayor. Le meilleur passeur décisif de tous les temps au Togo, c'est Cheikh Emmanuel Adebayor. Je suis le seul attaquant qui a fait quadruplé avec la sélection. Je suis le seul joueur qui a fait 4 fois décisives dans un match avec le Togo. Et Gomedema. Yo. Yo. Et Gomedema. Yo. Et Gomedema. Yo. 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 Ouvre que si elle n'est ni ou nous, vous jouez pour vous. Avant, il n'y a rien. Souris sous les comment, qu'on est le carrefour du chat. Et c'est vous, de tout près. Souris sous les comment, qu'on est le carrefour du chat. Gomélé. Alors que nous, on a un classique. Manon d'Apic, le carré car, Bidak Mangoma, Bidak Bahama. Il va le. Le gars, il va se faire incombiner. Incombiner. Ça, ils étaient en agneau. Mais des records automnaux. Mais des records automnaux. Mais des records automnaux. Mais des records automnaux.
Le Togo ne va pas bien. Le football ne va pas bien. Vous mettez des gens qui ne servent à rien devant et vous voulez gagner. Ça, mi-Algérie qui est au Coupe d'Afrique, on a perdu 1-0. Je suis sorti. J'étais énervé dans le vestiaire. J'ai tout cassé. J'ai parlé, j'ai grondé. J'étais énervé. Je suis dans tous mes états. Vous faites un match contre le Soudan, Lomé. Qui a parlé? Ah, c'est un jour pour allô. Ils sont là pour ça, non? Leur rôle, c'est quoi? C'est pas pour prendre 2 millions le mois et fermer leur gueule. Ah. Mais pourquoi, allô? Eux, comme ils ne vont même pas parler. Ah, mais ça sert à quoi là-bas, alors? Ils n'ont qu'à dégager de là-bas. On m'a compris de la pompe. Le possible, on m'a compris de la pompe. On m'a dit pour. Ils n'ont qu'à dégager. Ils n'ont qu'à le pompe. Tout le monde a envie de travailler avec la Fédé, c'est tout. Sauf à Adebayo, corrige bien ça, sauf à Adebayo. Mais, à M. Wakato, le flou, on dit bien, donc, à année, même toute situation avec les filles, écoute, normalement, en temps normal, soutien, les filles, nous l'aurons. Par contre, on l'a mauvais. Mais Albert, nous n'avons pas Jimmy, le caméra, quoi, bah. Écoutez. Bon. Moi, j'ai pas besoin, écoutez-moi bien, je vous le dis haut et fort. Dis-moi, non, jaloux, néo. Allô, Albert, c'est jalousie comme moi. Oh, jalousie, ça me donne que vous avez un connu, vous avez un jalousie. Il travaille avec la Fédération Togolaise de football, je travaille avec la CAF et la FIFA. La FIFA, la CAF couvre la Fédération, la FIFA couvre la CAF. Mais Navia, Vika, mais quel âne jaloux n'a pas encore? J'ai entendu les bonnes fenêtres, Mablo. C'est la même chose qui se passe au Cameroun à l'heure actuelle. Au point de vue, Belge Ronville va se le manquer d'espérance à Samuel Eto'o. Vous vous rendez compte, meilleur joueur du continent. Meilleur joueur du continent. Dans l'histoire, vous amenez un Mark Bridge qui n'a jamais joué, venir marquer de respect à cette personne-là. C'est normal. Micro portugais. Et Dassi Ronaldo, Dassi Pepe, Dassi Quarechima, va le mettre avec Bobo. Lui ne veut plus voir, il veut pas voir Adebayo aux côtés de la sélection. Mais vous avez oublié, je vais vous dire quelque chose. Que Beno Gabon est négé. Quand il était entraîneur de Gabon, que Bida 1-1 le Gabon, Mkoula Gea, il est Gabon, dit le 2-1, 2-2 buta. Il y a une coach dans Gabon. Hein? Ouais. Alors, vous comprenez? Il va voir le mec, va bobé, je ne veux pas voir Adebayo. Mais est-ce que moi je veux le voir? Quand lui me voit, il va me demander des autographes. Et toute sa famille d'ailleurs. Même il y avait Yovo doit qu'il n'y pas ma autographe, m'a signé. Yovo, il connaît rien du tout. Moi je le dis, je répète. Ah, même s'il en connaît quelque chose, j'ai rien à foutre. N'est pas ma, il a des autographes, m'a signé. Moi, je suis le 7 à 200 pour savoir. Moi, je suis un coaching de co. Moi, je suis un cadre de valeur. Mathieu, le commandant, on voit que Mark Bristona, Samuel Eto'o, tu as été entraîneur que pour 3 semaines. Eh bien, mais j'étais un très très grand joueur. Et né assis avec oui, je te félicite. Ramba, mais nous bien rien. Toi, tu fais une interview, tu dis ce garçon, alors que tu n'as rien fait de mieux que moi. Rien. Rien. Ne pas parler. Ne pas me foutre, on a tout à fait pas mieux. Quand on parle de 1000, quand on parle de 10 000 légendes en Afrique, tu n'es pas dedans. Toi, tu viens dire ce garçon. Gomédé, français, c'est essayé, allô, français, quoi, là. Jamie, comment tu vas? Je vais bien, la légende. Tu ne connais pas le football. Mais quand les gommés ne connaissent pas le football. Dans les commentaires, tu me dis, tu ne connais pas le football. Le football, il y a quelqu'un qui est. Il y a Mounion. Ne mouillons. Football, je me la pour. Agnac, mon col, Benya, j'ai mis, nous qui est capillé de moi, encore, pas soumis à l'ignac, mis les grands jours, les kémons, les locuteurs, ils laissent les pégons morales. Au moment où il y a football, va bien comme autour à décotiquer, bien pour la revenance, on a des sorts, et il y a des vannes à mon lac, quoi, on pour la bonne voie, on est très intelligent dans la tête, à la intelligence, attention, intelligent, Et le problème est que les gens ne sont pas occupés. Ils ne sont pas occupés. Ils ne sont pas occupés. Ils ne sont pas occupés. Parce que trop, c'est trop.
et soit Bidji, donc Bidji doit on s'est donné quoi mobilisation mais un ancien joueur ok qui m'a mis donc mode dominant et ben à noir bagnon quoi voilà mais là on est qui m'a mis le résultat qu'on a mis on a mis les d'accord dans vos clubs vous recevez des artistes la veille d'un match. Est-ce que tu penses que l'équipe de France la veille d'un match va recevoir les Dadju ou les Maître Jinx? Quand j'étais à la CAN, j'étais dans le même hôtel que Benaboy. Bam n'est pas joueur au recording parce qu'il n'a même pas le droit. C'est un chanteur, va chanter. Ne mélangez pas les choses. De toi, Nabobé, qui est. Oh, le grand Bobé, qui est. Barabas, Dio, Inouagba, et Nem le Fidé, le Bidji. Mais qu'est-ce que je n'ai à foutre de la sélection togolaise de Koubaï? Qu'est-ce que je n'ai à foutre de la gueule de Barabas et de Massadjas? Mais ben, vous avez fumé quoi? Vous êtes, c'est une dinguerie. Kaoré, on y avait mis Kouda, moi, et serré, mignon, je ne sais combien. Père, vous, je ne sais combien. On est desserré, mais je n'ai pas peur de leur dire la vérité. Mais à moi-là, le point, c'est bon, on est jaloux, alors pas. Parce qu'on peut. Jalousie, pourquoi? Jalousie, mais à me où? Qu'est-ce qu'on appelle jalousie? Parce que tu es plus beau que moi, parce que tu es plus connu que moi, parce que tu es plus grand que moi, parce que tu es plus d'argent que moi, parce que tu as plus de femmes que moi. Je peux être jaloux. Je suis jaloux de quoi? Tu as quoi? La personne a quoi de plus que moi? Dis-moi! Oh, à la fin! Jaloux de quoi? La personne, dites-moi, la personne a quoi de plus que moi pour que je sois jaloux? Ou qu'est-ce que vous appelez jalousie? On doit comprendre parce que Zandia, notre première tout fille, Obo le jaloux, notre première tout fille, Obo le jaloux, il y a tout le monde. Ce sont des chanteurs, je ne suis pas chanteur. Tiens, qu'est-ce que tu m'as jaloux? Oh. Oh. Yo. Ça ne va pas, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas, dans ce contexte, vous ne pouvez pas gagner. Et moi, le Wadibé, espoir le dit, le Wadibé, là, le dit. Ah, mais quand tu ne fais pas, il y a des choses. Quand tu le fais, tu attires la chance vers ton côté. N'aime le hôtel, ne jouez, Abedé, pas de va déranger, n'a pas tranquillité, chasser la personne. Ah, mais où, n'a pas gagné, ministre n'a pas l'anniversaire, ministre n'a pas l'hôtel, dites-moi. Mais l'idée de Pepe Mbalevi, il a battu au nom. Aujourd'hui, la main sur le cœur, je demande pardon à tous ces ministres-là. Mais je les ai chassés parce que je voulais que le pays gagne. Je voulais la tranquillité des joueurs. Quand on revient à Lomé, je dis au coach, si les dirigeants ne viennent pas nous voir dans les deux jours qui suivent, dites-leur de ne plus venir. Parce qu'on ne va plus les recevoir. Des fois, la veille du match, on s'entraîne, on dit que les ministres sont là, on ne les reçoit pas. Parce qu'à la fin de la journée, qui me font une bébé, qui me n'a même que le terrain soit. Mais Amélie. Troisième. Expliquez-moi à quel moment une sélection a un match important. La veille du match, qui peut aller visiter les chanteurs, les tout fans. Et n'a même pas qu'un d'abord. Et quatrième, l'année n'est pas histoire ni. Tout ce que j'ai fait pour la sélection, tout ce que je n'ai pas su faire, tout ce que je n'ai pas pu faire. Blocage que nous avons mis, déblocage que nous avons mis. Bois, tu peux mettre ton rien. La team manager vit en France, entraîneur des locaux, vit en France. Et aussi, comment se fait-il que la veille d'un match aussi important, on rêvait tous d'aller à la Coupe du Monde. On dit que un match se gagne la veille. Maintenant, à quel moment les chanteurs peuvent aller visiter les joueurs la veille du match? La nuit, pas le matin. Peut-être le petit déjeuner peut dire ok, oh, ils ont le temps.
peut-être déjeuner, on peut dire ça va. Mais au dîner, quand même, dîner, ça fait moins de 24 heures avant le match. Les chanteurs partent visiter les joueurs. Les chanteurs conseillent quand il y a un joueur. Et pourquoi ça dépend pour ça motiver le joueur. Mais ça, mais domaine, mais là. Je suis un malade. Avec tout le respect que j'ai pour King Messan, Maté va déranger Donnie. En plus, à quelques heures. À quelques heures d'un match important où on rêvait tous d'aller encore à la Coupe du Monde. Togo Toba les Bonobobé, Nke, tout Fangio Loa les Drouf. Mais je vous ai dit ici, Benali, j'étais dans les vestiaires de la sélection nigériane de football, équipe qui est finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais vous n'avez pas pris, vous avez pas compris. Mais vous êtes malade. Mais ça ne tourne pas rond dans vos têtes. Qu'est-ce que tu parles de dire des vieux bois vidéo que toi n'as que pour vidéo de oui. Mais vous croyez que moi je vais demander la permission avant d'aller parler à la sélection togolaise de football? Entraîneur ou en son téléphone, York président Akobi, BND dit à Pomago sélection. Tu t'imagines? L'esclavage existe encore chez nous au Togo en 2024? Vous avez fait carrière où? Vous avez joué où? À Kakpo, il n'a jamais joué en France. Il va donner quel conseil à Kevin Negué? À Kakpo, il n'a jamais joué en première division. Il va conseiller qui? Pour me conseiller, il va falloir que tu fasses mieux que moi. Pour me parler, pour me dire comment faire de l'argent, il va falloir que tu sois plus riche que moi. Pour me dire comment rouler une voiture, il va falloir que tu aies plus de voitures que moi. La vie est aussi simple que ça. Maintenant, vous amenez les gens, aujourd'hui même, Kevin Nenke, avec sa petite carrière, il a marqué déjà en Europe plus que Kader. Kader va lui dire quoi? Qui va écouter? Avec sa petite carrière, je vous dis, je vous prononce le mot, avec Kevin Nenke, avec sa petite carrière, il a déjà fait plus que Kader. Kader peut le dire quoi aujourd'hui? Dis-moi la vérité. Pour que moi j'écoute les gens, quand Samuel Eto'o me parle, j'écoute. Quand Didier Drogba me parle, j'écoute. Parce que les deux là ont marqué plus de buts que moi. Point. Les autres, je suis leur patron. Les autres, je suis leur capitaine, je suis leur patron. Je viens avant eux. Quand on parle de légende, je fais partie des légendes de la CAF et de la FIFA. C'est pas la bouche. Oh. Ok, mais entraîneur avec un bagogo joueur, un bagogo vestiaire. Est-ce que les joueurs ont un bagogo
Ils vont t'augmenter ou pas la Ne joueur au gogo ma, ils vont m'apporter. Joueur qui va faire quoi? Nous dans Namundé, nous Namundé, il m'a pas dit j'aurais maillot. Tu sais combien de maillots j'ai chez moi? Ne joueur dans Namibé, ma bobe, il voue à mes acquaya, avion mais dans Namé. Joueur qui est dans l'avion le Togo. Nous n'avons moins d'aimer les jacquio. Nous n'avons moins d'aimer les jacquio. Nous n'avons rien d'aimer les jacquio. Point. J'en ai pas besoin. J'en ai moi-même. J'en ai déjà fait. À la pointure. Mais je veux que les choses avancent. Je veux que le Togo gagne. Je veux que le Togo se renoue avec la victoire. Je veux que le Togo joue la CAN. On a que Miami, tourne la CAN. Togo tourne la CAN, ça. Dieu m'a dit, on a vu. Hier, on a gagné dans la zone, on a passé au coup de l'imam. On a tiqué l'ennemi plein. Et puis, je suis là, arrêté, j'achète encore 500 000 de tickets. Imaginez pour la bonne. Posez-vous des questions. Quand aujourd'hui, je suis là, arrêté, ça fait 5 ans, j'achète encore des tickets, 500 000, pour supporter, pour soutenir les éperdés. Imaginez qu'il y a pour la bonne. Cadet n'est pas petit, il est bien pris, il est là, joué le coup de quoi. Il n'est pas bon, les gars. À 4 pour ne pas à mettre avec Banaga, ni à 4 pour ne pas le même pour ne pas, et Banabé plus de match à l'aéroport, en Europe, son journal, ne même Nadia, ne pas dire. Dion Loco, Benadi, Dion Loco, c'est Benadi, ne pas sélectionner Mbadi, nous sommes repris, n'est pas moi. Embêtement. Dion Loco, c'est Benadi, ne pas sélectionner, nous repris, prime de campement, prime de match, Bouenitong, Bassona Gakpine, non? Aladji mag balaga tolo lo ko le baba anagwa ek odisi anagwa baba oluwa imagine un team manager qui est un ancien joueur au benisoa et pla conduire par le destinant des yeux et 10 000 et au fatu la fédération bien au 10 000 on est imaginé enyoa oh non ça de machin enyoa a débattu. Voilà, sans toi qui me donne un chanan, y'a toi, y'a mi faut comme un homme. Et comme un homme. Minavi, quand on a commencé, il me l'a dit. Sopi, il me l'a dit, mettre la débat avec Bello. Avant nous, quand on a dit, nous, quand on a mot. Et toi, écoute, on a dit tout ce qu'on fait d'amour. Et bien, tout ce qu'on fait d'amour. Et toi, écoute, on a dit tout ce qu'on fait d'amour. Et bien, tout ce qu'on fait d'amour. Eh, gamere. Yo. Kemi de bon menti boya. Humilité, sa mère humilité. Ils ne veulent pas des gens qui vont leur dire la vérité là-bas. La sélection, c'est de la merde là-bas. Et il n'y a que moi qui peux parler. J'étais toujours comme ça. Quand j'étais. J'avais pas besoin d'être capitaine avant de parler en sélection. Aujourd'hui, c'est toi qui viens, tu dis que ce garçon-là. Mais. Soumba Hananlai. Albert. Ouais. 2000 ans, ouais, disons. Et Capi, et moi, pasteur, et que pasteur, il n'y a pas en ligne, il est mignon, il est bien. Elle est en ligne, elle est mignon. Voilà. Ça va. Meka. Je me dis, ne me pas de me tourner du dia, mais 5 millions de yaoré, mais 10 millions de yaoré. Président Covid, il y a président Covid, il y a bien. Et bien, vous pouvez là-bas, la sélection est devenue leur business. À quatre fois, il vient, les gars, prime à l'aéroport, là, changer en euro, il part avec. À même, il a bien des gens de droit. Nous avons de gros français, nous, on dit. Ngba me di
efface Antonio. Je n'y arrive pas. Albert, on est sur le papier écran dans le Chef, Jamie connaît quoi de foot? On ne parle pas de gens qui connaissent de foot ici. On parle de football tout court. Ça le dérange en toi même déjà. On y a un don au bazon. Bandero. Nous les commentaires à ma quoi. Albert, maintenant, les mêmes envoient de manière on connaît allo commentaire au sous. Un mot sous bon. Donc, comme défilé là, il n'a que 89, il n'a pas un grand ma quoi. Comme ça, la tête pour demander quoi. Jamie, ok. Chef, avoue à la chef de lui. Il n'a pas pris ma quoi, j'ai la quoi. Il n'a pas pris la quoi. Jenny, à quoi tu as mis la quoi? Yo! Il y a une colère de quoi d'abord? Vous faites quoi? On ne voit rien. Fifi, hein? Moi j'ai dit aujourd'hui dans mon live, Bena, on met les gens des doigts, c'est parce qu'on y a Bena, on les cas, mais tenu la tête, non? Et ils vous ont fait partie pour garder les faiblards. Fifi, ouais. Faiblards, quand les fous avec Béa, ils ont des comptes à nous rendre. Ah, mais si Béjeni, qui est le capitaine actuel, il a des comptes à nous rendre parce que les miens, mais avec lui, depuis un moment, on ne sent rien, on ne comprend rien. Mais il ne dit rien. Il est pour nous pour aller, c'est comment? Et nous, là, en conférence de presse, conférence de presse au moins, ils ne nous parlent pas, ils ne nous disent rien. Les qui problèmes à des roms, les qui viennent avec moi dans la salle, mais aussi à mes communes là. Donc actuellement les footballeurs, ouais, on est intermédiaire les mia au domaine, coup de fédération au domaine. Donc à nous ouais, que ni et moi, mais moi on est médiateur. Ouais, on est là bon, ouais, on est là pour nous. Ah, on aime les Fabio, les CVV quoi, bientôt. Les petits quoi. Voilà, et voyez que vous avez dit, et n'y a pas de match, mais ma doute, mon ami, ça va être comme ça, mais là, je le vois.
de loin. Parce que il y a longtemps, mi bon, mi le sim pour les grands amis, y a mi le avalé, mi le souhait sur les paroles de l'évangile. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'en veut plus. Puis, y a où on nous sémia benya quoi? Nous sémia benya parce que c'est un pays démocratique et le football n'a rien à voir avec la politique. Et à ce que je sache, tout le monde a son mot à dire. Parce que mi a où ni supporter ou un homme les doujou, c'est nous qui avons mal, c'est nous qui nous tuons. Amélie, là, t'es où est-ce que ça renoue mes pieds? C'est pour ça qu'on ne va pas se taire. On ne va pas aller laisser faire. Pourquoi vidéo le matin? Amélie, bien, tu peux aller le terrain. Oh, les Yo vont à coudre avec Burkina Faso. On dit sur le coup. Yo vont les deux. Nous disons les Kader deux Français, hein. Et puis au bout quand lui n'est plus le football du Togo parce qu'il n'y a plus de contenu. Au bout on fait entraîner des locaux. Devant le football. Et même les premiers football parce qu'on manque de contenu. Et il fait quoi à ce poste là? Pardon. Il a depuis que lui est arrivé là, il a quel contenu? Ne pas mon ami. Il avait dit ça dans le temps, avant de revenir. Le temps rattrape l'homme. T'es allé, hein? Le temps de rêver, Pio. Tu es allé, Némi, au plafond, avant qu'il y ait là. Oh, les couets d'eau d'un toit. Kémi, tu es bon, pendant 3-4 ans, quelqu'un va y aller, on est quoi? 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 On